Make-up of the day, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau look. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai ressorti le Tarte. Pour le blush, je vais mettre un blush qui tient sur le long terme, un blush liquide, c'est celui de chez Made by Mitchell. La couleur est trop jolie. Pour poudrer, j'utilise la poudre de chez Mulan, de chez Make-up Revolution. Moi j'ai mis une petite robe à fleurs rose, vous savez qu'en ce moment je suis dans ma passion rose. Donc j'ai ressorti la palette Shrek X Revolution. Du coup je vais partir sur les roses, je vais mettre celui-ci dans mon coin externe et je vais l'étirer, vraiment bien l'étirer. Avec celui-ci. Vous voyez, avec le fard le plus clair, du coup, je l'étire bien. J'applique sur ma paupière mobile le seul fard rose irisé qu'il y a, donc celui-ci. Et au niveau du racine, vous voyez, je me suis arrêtée à la moitié de l'œil. Je vais venir appliquer le fard irisé blanc. Et pour l'highlighter, j'ai ressorti un highlighter incroyable, c'est le The Doll Beauty. Je pense que vous pouvez voir, genre, pour moi, c'est le plus beau highlighter que j'ai testé. Restez dans le total look rose, je vais prendre un gloss comme ça, c'est un lip injection de chez Too Faced. Il est incroyable. Bon, du coup, voici pour le petit look du jour, total rose.